le patrouille de Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient super solide, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Ce protouche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Roger! Allez, viens, monte avec moi! Il ne tourne pas très bien. Dommage, c'était le meilleur jeu du parc. Si quelqu'un le réparait, on pourrait jouer. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots. Réparobot, débarobot, bricorobot. Alors, quel robot il vous faut? Wow. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. C'est ça qui rend triste nos amis terriens. C'est plutôt étrange. Dico Robot, identification. Une tasse géante. Une petite soucoupe volante. Une couronne. Elle est très étrange et très très grande. Chef, si la couronne est aussi grande, imaginez la taille du monstre terrestre qui la porte. Ce secteur n'est pas sûr du tout. Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, je ne crois pas que ce soit la couronne d'un monstre. Nos amis terriens ont dit que c'était une sorte de jeu et qu'ils voulaient tourner dessus. Ça ne tourne absolument pas. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique. On ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le jeu qui tourne et on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer le jeu. Faisons vite comme une météorite. C'est complètement bloqué. Chef, si l'on se fie à tous mes calculs, il est impossible de le faire tourner. On a besoin de muscles pour cette mission. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot. Lequel d'entre eux il nous faut? Il y a un robot pour ce boulot. C'est lui le plus costaud. Costaud robot, activation. Costaud robot, à votre service. Je suis grand et gros et costaud. C'est justement ce qu'il nous faut, costaud robot. Tu peux faire tourner cette chose? No problemo avec costaud robot. C'est vraiment très dur à faire tourner. Reculez.
Est-ce que c'est censé pouvoir faire ça? J'en ai pas l'impression, Ghosto Robot. Désolé. Pluie de comètes, Rover! Tu as raison! Cette chose est toute rouillée et est en train de tomber en miettes. C'est pour ça qu'elle ne tourne pas! Il faut en fait qu'on la réassemble pièce par pièce et qu'on l'huile pour qu'elle tourne à nouveau. Chef, mais comment on va faire ça? Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot qui est un expert en liquide. Liquirobot, activation. Liquirobot, à votre service. Liquirobot, il faut que tu remettes les pièces de ce jeu dans le bon ordre. Et ensuite, que tu y mettes quelque chose de lubrifiant pour que ça tourne. Oui, oui, oh oui, comptez sur moi. Oh, je sens que ça va être ma création la plus collante et la plus glissante. Démarrage de la sélection du liquide angluo-collant. Un coup d'angluo-collant liquide par ici et de par là. Encore un coup, pourquoi pas? C'est un festival d'angluo-collant liquide! Ça fait pas un peu trop d'angluo-collant liquide, Liquirobot? Il n'y aura jamais trop d'angluo-collant liquide, chef! Je vous garantis que ça va fonctionner et que ça aura l'air super! Maintenant, un petit coup de graisse glissant liquide pour qu'il puisse tourner comme une toupie! J'en remets un coup et un deuxième et un troisième! Oh! C'est de la folie! Je suis créative à la folie! Et... Tada! Beau travail, Liquirobot! Ghosto Robot, est-ce que tu peux le remettre en place, s'il te plaît? À vos ordres, chef! Ça a l'air sidéralifique! Tout le monde à bord! Essayons-le pour voir! Oh, allez, Rover, ça va être chouette! Ghosto Robot, et si tu nous faisais tourner? À vos ordres, chef! Êtes-vous prêts pour une grande et puissante Shiga poussée de Ghosto Robot? Oui, ça tourne! Oh, ça tourne vraiment très très vite! Je commence à avoir le tournis! Monde en gaz de Jupiter! On s'est envolé! Peut-être qu'après tout, c'est possible de mettre trop de graisse au glissant liquide. C'est bon à savoir. On doit quitter le navire! Je suis coincé! On est tous coincés! Peut-être que c'est possible de mettre trop d'angluo-collant liquide! Ah, là c'est mieux! Enfin, on s'est arrêté de monter! Et maintenant, on est en train de tomber comme une météorite! Mais question, est-ce que c'est une bonne chose? Non! Prenez vos cartes mémoire à votre cou! Sautez! Oh, j'avais oublié! On est coincé dans cette espèce de toile d'araignée spatiale ridicule et angluo-collante! Une toile d'araignée spatiale! Ça, c'est une idée, Liquirobot! Oui! Content qu'elle te plaise, Roger! C'était quoi déjà mon idée? Juste pour que Rover soit au courant. Je sais comment nous faire ralentir! Liquirobot, te reste-t-il encore du liquide angluo-collant? Oh, mais bien sûr, chef! Je vais essayer de nous rapprocher de ces arbres. Selon tous mes calculs, c'est impossible d'y arriver! À moins d'être équipé d'un genre de fusée! La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Oh, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Fais-moi confiance. Il faut que tu asperges du liquide angluo-collant sur toutes les branches que tu vois pour faire une toile d'araignée spatiale. À vos ordres, chef. Je me ferai un plaisir angluo-collant de le faire. On y est presque. Tiens-toi prêt.
lui au collant. Il faudrait l'enlever si c'est possible, Ikirobo. À vos ordres, chef. Par tous les anneaux de Saturne, cette chose tourne de manière sidéralifique maintenant. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Le tourniquet, il fonctionne. Il tourne encore mieux qu'avant. Wow! Merci, patrouilleur Roger. C'est fantastique. C'est sidéralifique. A besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico-Robo ? Chef ? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico-Robo. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robo, les T-Robo. Débat-robot, brique-robot, costa-robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Chef, quelque chose a mâchonné ces objets. Ça pourrait être dangereux. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, on a vu une créature poilue qui le mâchait. Je me demande ce que c'est. Dico-Robo, identification. Objet identifié. Un jouet à mâcher. Un jouet à mâcher, c'est ça. Mais à quoi ça sert? Un jouet à mâcher est un jouet qu'un chien mordille pour s'amuser et pour garder une bonne hygiène dentaire. Ces jouets à mâcher sont tout abîmés. Ils ne sont sûrement pas amusants, ou alors ils font mal aux dents. Ça, c'est une mission super sonique. Mission supersonique, on ne renonce jamais. On est à des vivants héroïques. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. Réparer le jouet à mâcher, comme ça nous pourrons dire que tout est parfait. Bien reçu, Roger. Ta mission, réparer le jouet. Faisons vite comme une météorite. Ça ne va pas être facile à réparer. Chef, selon tous mes calculs, ces jouets à mâcher sont bons pour la poubelle.
peut-être qu'on peut s'en servir pour en faire un nouveau jouet. Mais comment on fait un jouet tout neuf avec des déchets? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Des vos robots, activation. De te voir en mission, Dévo Robot. Peux-tu recycler ces vieux jouets pour en faire un tout neuf? Déchets! Déchets, déchets, déchets! 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 Déchets, déchets, déchets! Déchets! Bon travail, Dévo Robot. Déchets! Tiens, mon petit chien. J'espère que ce jouet recyclé te plaira. Il est amusant et bon pour les dents. C'est étrange. Pourquoi il ne l'aime pas? Dico Robot, donne-moi plus de renseignements sur ce jouet. Certains jouets à mâcher ont un pouet-pouet intégré et les chiens adorent ça. Ce nouveau jouet à mâcher n'a pas de pouet-pouet. Donc, on doit réparer. J'y avais déjà pensé, chef. On doit réparer le chien. Et Rover. Pas exactement, dit Corobo. Le chien aime autant le bruit du jouet que le jouet lui-même. Il faut intégrer un bruit au jouet. Ah, ouais, 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 c'est sûrement plus simple. Et il y a un robot pour ce boulot. Y a un robot pour ce boulot. Répa-robot, activation. Répa-robot, à votre service. Répa-robot, on a besoin que tu répares le pouet-pouet. Chef, réparer un pouet-pouet n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas y arriver. Eh bien, retournons tous au vaisseau. Mission pas accomplie. C'est dommage quand même, quand on sait qu'il n'y avait qu'à mettre un nouveau pouet-pouet. Attends, Répa-robot, pourquoi tu ne mettrais pas juste un nouveau pouet-pouet? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oh oui, parce que le cerveau, c'est vous et pas moi, chef. Il vit vraiment sur une autre planète, celui-là. Ah, carte mère, peux-tu m'envoyer un pouet-pouet supersonique numéro 9? Super, merci beaucoup. Répa-robot, ce pouet-pouet m'a l'air très puissant. S'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est qu'un objet qui fait trop pouet-pouet, ça n'existe pas. Et activation! Ça n'a pas été si facile, mais ça s'est plutôt bien passé. Vite, on va la porter au petit chien. Oh! Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Il faut qu'on lui reprenne le jouet à mâcher. Avant que le son du pouet-pouet ne détruise la planète, attrapons-le et vite! On n'arrivera jamais à attraper ce chien avec un pouet-pouet pareil. Le chien aime vraiment les jouets à mâcher, surtout quand ils sont très bruyants. Dico Robot, tu m'as donné une idée. Ça me fait plaisir. Et quelle est donc cette idée que je vous ai donnée? Le chien aime ce jouet bruyant. Mon instinct me dit qu'il aimerait en avoir un encore plus bruyant. Dévo Robot? Déchets! Fabrique-moi le plus grand jouet. Répa Robot, il me faut ton plus grand pouet-pouet. À vos ordres, chef. Carte mère? Déchets! Déchets! Ha ha ha!
Ah, cet énorme fouette-pouette supersonique ne peut pas faire plus qu'un squeak. Avec un peu de chance, ça devrait suffire. Que tout le monde se bouche les oreilles. 3, 2, 1, squeak! Ça a vraiment fait un énorme squeak! Attention, il arrive! Mais il ne fait pas squeak! Il veut reprendre l'autre jouet! J'ai juste à l'attraper avant qu'il n'y arrive! Activation des fusées de patrouille! Dans 3, 2, 1... Tu peux baisser le volume? Ça, oui, j'en suis capable. Il est tout mou et son squeak est parfait. Le jouet est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. C'est sidéralifique.